ramener la tête des gilets jaunes à Paris. Première musique du début. C'est fait exprès que je l'ai laissé, hein, évidemment. Ce que je dis dans la musique, je le pense pas réellement. C'était par rapport à tout ce qui se passe en France. Mais venu comme ça, mais sinon, je pense pas réellement. Et salut tout le monde, c'est l'Alpha. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Vesper et aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite. Plus précisément, sur Battle Royale pour regarder les passes de combat. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous donner des informations que j'ai remarquées. Alors, cette vidéo va être courte. Il n'y a pas beaucoup d'informations que j'ai repérées. Il y en a peut-être même que j'ai pas vu. D'autres que vous savez déjà, ou d'autres que vous savez déjà, mais que j'ai pas vu non plus. Donc, vous voyez le délire. Allez, c'est parti. Donc, voilà, là on commence. Bon, il y avait ça pour nous dire. Donc, il y avait le skin Bonhomme de Neige, plus la vidéo du début de la saison 7. Mais ça, tout le monde le sait du coup. Alors, bien évidemment, ce que je dis, c'est des hypothèses. Donc, là, on peut penser un jour ou l'autre avoir ou. Sur la map, vous savez comme on a eu sur Halloween, des zombies ou des démons, pour Fortnite c'était des démons. Peut-être qu'on va avoir la même chose avec des sapins, qui sait. Ensuite, et c'est le plus important, celui-là, je vous la mets en plus grand maintenant. Voilà, donc comme on voit le skin pain d'épices, féminin et masculin, mais quand on regarde bien, de base, il n'y a que le masculin, il me semble. Il n'y a pas le féminin. Donc, en gros, là, ça nous montre comme quoi le féminin va sortir, que le masculin va ressortir. Et je pense que pour ceux qui l'ont acheté, il va avoir le skin qu'on voit en premier plan, un peu brûlé. Et vous savez, c'est comme celui-ci. Vous savez, de base, c'est celui-là. Ils ont mis une modification comme ça. Voilà. Et ceux qui l'avaient déjà acheté la première fois qu'il est sorti, ils en avaient un violet. Du coup, là, je pense que ça va être la même chose. Qui vont sortir le pain d'épices et que le un peu stick brûlé, un peu trop cuit, tout ça, ça va être pour ceux qui l'ont déjà acheté la première fois. On se doute bien que le skin casse-noisette va revenir et la pioche bien évidemment avec aussi. Et quand on regarde bien à l'arrière, dans la voiture, ici, voilà, il y a une espèce d'ombre comme une personne. Peut-être que c'est un skin aussi, on sait pas, on verra. Ensuite, par rapport à ce sac à dos, comme on voit à l'arrière, il y a un petit pagouin grâce à ce petit truc là. Manchot, excusez-moi, c'est un manchot. Un autre qui est ceci. Donc, il y a une possibilité aussi qu'on ait un skin manchot ou pingouin, comme vous voulez, voilà. Ensuite, le lama sombre, une image, mais qui veut sûrement dire que le skin va revenir avec la pioche et tout ça. Ensuite, une image qui est escadron de soutien, la même chose. On peut se dire qu'ils vont revenir dans la boutique dans peu de temps. Et le dernier point lequel je peux aborder, que vous savez peut-être sûrement tous, et que tout le monde pense que c'est vrai, et qui est peut-être vrai, peut-être faux, je ne sais pas. Mais ce que je comprends pas, c'est comment ils vont réussir à reboucher le trou. C'est bien évidemment Dusty Depot, comme c'est marqué juste en dessous, comme avant. Alors regardez, comme avant. Donc il est possible que ça revienne, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ce que j'ai dit. S'il y a des trucs que vous pensez que c'est faux, s'il y a des trucs que vous êtes sûr que c'est faux, vous me le dites dans les commentaires. Mais la même chose si vous pensez que c'est vrai. Et en tout cas, moi je te dis à la prochaine vidéo ou live. Salut !